خصنا كلنا نتحزنوا منهم كلنا زعما غير السوجي لا يلا Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui officiellement l'ouverture de l'antenne du CRA Extravira. C'est une présentation qui va être courte. Une dizaine de minutes pour nous expliquer pas tout à fait la présentation. Sur cette présentation, tout d'abord, rappelons que le centre de l'investissement est quelque chose qui a démarré en 2002 sous les autres institutions de Sa Majesté. Depuis 2002, j'avais la métroyen porte pour vous présenter la région de CRI, dans le texte du CRI, à qui servira, pourquoi il servira. C'est une présence aujourd'hui logique et indispensable. Et un juste retour des choses, du fait que la non-présence du CRI était une anomalie qu'on a corrigée aujourd'hui. Pourquoi une anomalie? D'abord, il servira, on ne va pas rappeler aujourd'hui les données de la CRI, les données statistiques, vous les connaissez tous. Et rappelez juste que les SOMEMA, c'est d'abord et avant tout de formidables atouts, que ce soit au niveau agricole avec les huit d'avant, l'arganier, l'olivier, le carbonier, les cultures aujourd'hui, c'est-à-dire la culture de la base de carbone qui commence à vraiment progresser, les métiers de la mer, de la pêche, et également des infrastructures naturelles ou des ressources naturelles, telles que les espaces forestiers, les 150 km de littoral, un port et un aéroport, certes petit, mais c'est. Pas toutes les provinces qui peuvent se parler de telle richesse, de telle adaptation. Et sur les races, c'est aussi une province dont on a parlé donc de la question d'Arganie, c'est une province qui a de formidables atouts, pas uniquement par rapport à ce qu'est la grande richesse naturelle, mais aussi des atouts naturels, des atouts beaux. Le réseau des initiatives de l'UNESCO, c'est une très belle nouvelle de cette rentrée, qui reconnaît la place de la ville des Sérois dans le champ des chiffres et des festivals, mais plus que ça, de l'industrie créative en général. Et sans oublier le fait que c'est une province avec beaucoup de ressources classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça verra, ce n'est pas que l'Arganie, mais ça verra, c'est aussi des opportunités d'investissement dans le tourisme, l'écotourisme, la culture, la sérénité, l'écologie. On a parlé de l'économie créative, il y a aussi la cité des arts, dont on a parlé avant cette présentation, l'université internationale. Plus en détail, donc, il y a eu beaucoup d'investissements publics. Je remercie M. le gouverneur d'y avoir fortement expliqué, fortement appliqué. Donc, une opération de barrière du barrage de l'Aigle-la-Frenne, l'imbibilisation, tous les investissements INDH, les routes, les contrats scolaires, l'entrepreneuriat. Vous avez certainement lu dans la presse les différentes choses qui ont eu lieu récemment, notamment au niveau de l'entrepreneuriat et de l'INDH. Des projets structurants, donc c'est des projets d'avenir, c'est des projets qui vont façonner le nouvel Extravira, que ce soit ville ou province. La réhabilitation de l'habitat, la cité des arts et de la culture, la restructuration du corps, les équipements sur l'axe qui est route, qui est mis à niveau de l'axe voie, capsique et cyclique, les plans d'aménagement, notamment cyclique ou même cité de Extravira. Tout ça, c'est un travail en amont et qui est indispensable pour la réussite des prochains projets d'investissement à venir. Et donc la base est là pour faire de l'Extravira un véritable dynamique d'investissement. D'autres projets structurants qui sont en cours d'études cette fois-ci, autour de la mobilité durable, autour de l'activité, autour de l'université, de la relance de la station au Gator, de la retraite de l'Extravira à Gavir. On aura l'occasion de serrer, on aura l'occasion de travailler en partenariat avec nous aussi, c'est réuni aujourd'hui, pour que ces projets arrivent à terme. Alors là, je vais parler un peu plus du CRI, peut-être que le centre régional d'investissement existe depuis 2002, mais nous sommes plus une start-up. Nous sommes une start-up parce qu'on a réexisté, on a été réinventé, remodelé depuis maintenant un an, depuis le 4 décembre dernier pour le CRI de Marrakech. Nous avons de nouvelles missions. D'abord, c'est une nouvelle compte, on va parler de cette mission, qui permet cette évolution, en devenant un établissement public avec un conseil d'administration. Avec certaines personnes ici, les start-ups, c'est un établissement public avec de nouvelles missions, mais de nouveaux devoirs, de nouvelles prérogatives qui nécessitent un nouvel engagement pour le futur. Donc, ces nouvelles missions, pour les résumer, d'abord, le métier historique de guichet unique, nous avons été
par le passé davantage à l'échelle commune et à l'échelle unique. C'est-à-dire que nous sommes un maillon supplémentaire de la chaîne assez sinueuse du parti, de la gestion du compagnie. L'objectif est de revenir, refondre la position historique du CRI, de revenir à l'échelle unique, à part entière, et de traiter le projet d'investissement de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire de l'idée d'un projet jusqu'à sa réalisation, en post-investissement, accompagner l'investisseur. Il y a une sorte d'effort primaire à faire pour que l'amendement de la politique de la route depuis la création des CRI jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui, évidemment, dans un fonctionnement normal, mais inscrit dans une dynamique existante, tout va bien. Quand il s'agit de créer, mettre en place, de fidéliser ou de faire oublier dans les moments qui sont passés, je crois qu'il faut peut-être un tout petit effort supplémentaire pour spécifier cette feuille de route pour réaliser des savoirs aujourd'hui pour commencer. Bien sûr, la vocation d'accueil, la vocation d'accompagnement, la vocation d'écoute, celle-là est normale. À savoir, il y a aussi une forme d'incitation. Parce que la ville, dans les 30 dernières années, si on avait à quantifier son développement, a fait un parcours exceptionnel. On ne prend pas suffisamment de temps, parce que les chiffres sont petits peut-être, et sont différents d'ailleurs. De mesurer ce que fait par exemple le savoir en 1990, et c'est aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est une réalité. C'est une réalité qui peut être un levier si on en prend à la fois la mesure et si on en comprend les paramètres. Ce ne sont pas ceux habituels du montant en milliards, en centaines de millions d'investissements, mais simplement à partir d'une situation donnée, c'est aujourd'hui. Et je prétends. Cette performance, il a mis en fait par l'État. Parce que en termes d'allocation de ressources nationales et de résultats obtenus, on est champion du monde. Non, pas champion du monde, champion du monde. Mais il faut que de ce point de vue-là, ça a été même annoncé, parce que les chiffres qu'on a fait d'investissement, les flux ont déjà été transformés en réalité. Ceux qui sont à venir sont un seuil historique que nous avons passé. Ça n'a jamais existé. Je veux dire aussi que c'est justice rendue par rapport à ce que la ville, par elle-même, a fait. Je dis ça simplement parce qu'il y a quelque chose qui est chargement obsessionnel. La réallocation des ressources nationales sur un plan national et territorial a des règles. On est tous égaux en capacité de recevoir ce que ce pays accumule en épargne. À recycler et à réinvestir. Cette équation a toujours été en défaveur des savoirs. Pour des raisons multiples, historiquement. On a commencé ces dernières années, et surtout pour des dernières années, à inverser la tendance. Tant mieux, mais le passif est lourd. Et je pense que, du point de vue de la bonne compréhension du dossier, il serait à la fois juste et légitime que ce clignotant soit allumé. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est notre droit. Et que cette équation, en termes de règles d'intervention des ressources nationales, soit respectée ici. On est tous éligibles au même traitement. Bon, là, ça n'a pas trouvé. Je dirais même, si vous me donnez une idée, que dans la valeur ajoutée que nous créons localement, très souvent, cette valeur ajoutée est outsourcée. La variable en termes de recettes fiscales, en termes de consolidation, vous avez eu raison de souligner, de pérennisation de ce qui se fait ici, il n'y a aucune raison que ça perdure. C'est en dehors de votre culture, mais c'est parfaitement étranger.
c'est une dynamique qui peut mourir, mais on ne peut la mourir que parce que nous créons aussi, mais pas seulement parce que ce qui nous est apporté. Et moi, je suis préoccupé par ça. C'est vrai pour la pêche, c'est vrai pour le gaz, évidemment, dans le sable de phare, parce que ça fait presque 50 ans qu'il est exploité, et je vois pas ce qu'il rapporte ou ce qu'il laisse à l'extérieur quand il va sécher tout ça du Sofia de Frida. Citer votre sur le plan agricole aussi, il y a des choses à faire. Vous avez signalé 20% de la surface à gagner à l'extérieur par rapport à la surface au territoire national de la Réunion. Ça mérite à être rationalisé, à être, je dirais, pour ne pas relocaliser, parce que nous sommes là dans la partie de la Réunion, mais tout de même, ça reste une théorie qui n'est pas nécessairement, quand on va au ministère de l'Agriculture, prise en compte avec les mêmes critères que ceux, par exemple, que l'État investit ou promeut dans le sous. Ce n'est pas parce qu'il y a des raisons que ça doit être pour toujours et sans correction. Les produits du terroir, on en dit beaucoup dans cette province, sur le plan agricole comme sur le plan du savoir-faire de nos populations, parce que quand on a à la fois l'histoire et cette éducation qui essaie de se trouver, c'est un moment de modestie à savoir. On dit toujours qu'on a un parcours historique qui nous donne un certain nombre d'êtres sociaux et relationnels, mais ils existent. Je vais citer un exemple, l'exemple de Weber. Weber, depuis toujours, a développé une activité importante, un art populaire dans la cartographie professionnelle de Weber. Il souffre l'un des dialectes de Romain et souris. Et je lui ai dit un remarque en me disant les caractéristiques. C'est parce que quand on part en s'intéressant de la pêche, on dit qu'il ne mérite pas suffisamment de tissu universitaire, de tissu pédagogique, qui nous permettent de puiser avec qualité de l'ordre. Non. Il y a l'université, il y a la vie. Si vous voyez le nombre de jeunes qui n'ont pas été à l'université, qui partent 4-5 ans naturellement, parce que l'écosystème des savoirs et qui sont au contact de l'apprentissage de ces temps, sans nécessairement attendre à l'université. Et c'est une réalité moi qui m'impressionne. Mes amis, moi je suis sûr, on en est moi, une jeune fille ici, qui était là il y a quelques années, qui me fascinait parce qu'elle parlait le russe, elle parlait l'allemand, elle parlait l'italien, elle parlait l'anglais, elle n'avait jamais été au-delà de l'école primaire. Ça, ça existe. Mais j'ai essayé de quitter ça au fond de l'école. Et ça intéressait. Une fois qu'on l'a dit, quelque part, quand je dis ce que je souhaite, ce n'est pas objectif que je suis, je lui explique, on le valide par quelqu'un qui va avoir un discours plus rationnel, peut-être moins subjectif. Donc je suis désolé, je prends la parole de mon part, mais je dirais qu'il y a cet effort de refondation, spécifiquement, en adéquation avec ce que nous avons fait pas dans le parcours administratif normal de notre démarche, mais il y a ce type de formation à faire simplement pour en observer. C'est, si vous permettez, je vais m'en là-dessus, il faut que cette possibilité d'accueil et d'écoute qui sera faite à ceux qui viennent en droit soit de qualité pour les petits, pour les moyens, pour les grands, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les locaux, comme pour les. Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment à la fois de conditions, de crédibilité et de résultats rapides. Non, aujourd'hui, il faut qu'à partir de l'installation de l'Union de l'Église du Centre de Sahara, ce soit le cas. C'est-à-dire que dès demain, vous êtes installé déjà. S'il faut que quand quelqu'un va venir vous voir, ce soit différent. Il y a un avant et un après votre stage. Et s'il va entendre, recevoir.
ça c'est bon. Très heureux aujourd'hui d'ouvrir l'antenne de Essaouira, l'antenne du Centre régional d'investissement de Marrakech Safia Essaouira. Aujourd'hui est un jour important, très important pour nous. Cette ouverture, c'est un retour des choses, puisque Essaouira, la ville et aussi la province, c'est une formidable pierre d'opportunité et énormément d'opportunités d'investissement, d'investissement producteur de valeur et d'emploi. Et donc aujourd'hui, nous venons ici accompagner cette nouvelle dynamique que l'on retrouve dans les récentes nouvelles très encourageantes pour la ville et la province d'Essaouira, que ce soit sur l'industrie créative avec l'UNESCO, que ce soit sur la mobilité durable, que ce soit sur l'innovation et l'incubation. Il y a aujourd'hui une dynamique que l'on veut accompagner. Il y a aujourd'hui beaucoup d'investissements qui peuvent être mis en place, qui peuvent être accompagnés. Et le CRI se fera fort à travers son antenne locale, son bureau local, d'accompagner et l'investisseur d'un côté et la province de l'autre dans l'émergence d'une véritable offre territoriale intégrée et avec le succès.